This is not the story of the One. The One encompasses too much, crushing everything and making it the same. No. This is the story of the many, who are blessed with difference and rich in strangeness. This is the story of a family. Oh, regardez les amis, des nouveaux copains pour s'amuser. Où est-ce qu'on est? En enfer. Et qu'est-ce qu'on est? On est des très bums, enfin. J'ai fini d'ajuster le son, on y va. Grand retour dans l'éternel cylindre, c'est parti. Alors regardez-moi cette créature là-bas, il va falloir qu'on s'en occupe. Oui, c'est notre objectif du jour. Rentrer à l'intérieur de cette espèce de tuyau sur pattes. Oui, il faut manger tout le temps, c'est important. Pour récupérer un élément qui est à l'intérieur. Problème. Oui, j'avais pas fait gaffe qu'il était en train de rouler, lui, derrière. Problème, on est en enfer. Oui, on est vraiment en enfer, les amis. Il y a un moyen d'y aller. Ouais. Il faudrait que je me fasse attraper par... J'avais une idée. Une idée de taxi. Faudrait que je me fasse attraper par un truc volant qui me jette dessus, ce serait bien. Ah, ce serait vraiment bien. Parce que là... Ce mec, il fait juste ses allers-retours, il s'en fout. On va aller voir de l'autre côté ce qui se trame, même si j'ai beaucoup de doutes. On a aussi plein d'autres choses à faire, puisque... Il faut qu'on mute. Comment ça, ça changera jamais? Non, ça changera jamais, ça c'est sûr. Il faut qu'on mute et également qu'on bute. Ouais, il faut qu'on bute. Alors la lumière jaune derrière, c'est pas un bon truc parce que ça fait démuter. Donc ça veut dire qu'on attaquera forcément pas par le côté arrière. Ça c'est une chose claire. L'autre chose, c'est qu'il faut qu'on bute les bestioles qui ont une infection. Oui, parce qu'on a un voisin maintenant, regardez. Il est sympa, hein. Ouais, pour l'instant il bouge pas, ça va. Ce qui va être pénible, c'est que il va bien finir par bouger. Mais avant qu'il bouge, il faut qu'on désinfecte les bestioles qu'il a contaminées. Oh, le gaz. On va se mettre la mutation définitive qui nous protège du gaz. Ce sera fait. Hein. Oui, ce serait dommage que... Une petite bébête, pleine d'amour, meurt innocemment, juste à cause de la topographie des lieux. Alors il faudrait qu'on bute ça, ok. On est combien les choums? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec moi. On se garde ça sous la main, on pourra faire éclore du monde apparemment. Est-ce qu'il y a un œuf pas loin? Probablement. Oui, influence insuffisante. J'ai déjà une horde de 7 personnes, ça va aller. Il est où le gars qu'il faut que je désingue? Oh, j'ai perdu mon objectif, les amis, c'est triste. Est-ce qu'on fait un tour dans ce temple? Bon, ce sera fait, hein. S'il y a des bonus à glaner, tant qu'à faire. Ils seront dans notre poche, ils seront pas plus mal. Et il est fermé. Reprenons dans l'ordre donc. J'ai les bestioles infectées, mais celle qui était à côté, elle a disparu, étrangement. Et donc il va falloir qu'on aille se coltiner ce petit monde là-bas. Alors méfiez-vous du blob, il a l'air tout bête comme ça, il a l'air pas très effrayant, mais en fait... c'est un sacré tenace, Sam Pepper. On va commencer par lui. Gros, viens voir, j'ai un truc à te dire, gros. Pas capable de plonger dans le sol. Ah. On va lui piquer ses œufs. Ouais. Il sera vénère. Bon les mecs, arrosez-le. Arrosez-le, il n'y a plus que ça à faire. Yes!
Oh là là, je l'ai pas vu venir, Blob. Je vous avais dit qu'il était dangereux, et Furax en plus. Bon, c'est bon, on l'a débarrassé de son tic. Lui, on l'a débarrassé de son tic aussi. Dans son nid, il s'est barré avec ses œufs. Non, on les prend. Les gars, faites pareil, faites pareil, faites pareil. J'en sens un qui est agité autour de nous, là. Non ? Un peu. Aïe ! Je vais finir par crever avec ces âneries. Mon bonus, il est parti où, du coup ? Oui, il m'a fait perdre mon bonus, ce crétin. Oh, on a récupéré un œuf pour rien, les gars. Arrosez-le, arrosez-le, je suis sûr qu'il craint. Alors, je crois que j'en ai un qui a une mutation qui lui permet d'avoir de l'acide. Ou qu'il était pas content. Il est où, mon machin que j'ai ramassé tout à l'heure? Oh, les gars, on s'est fait récupérer un œuf pour rien. Non, attention, il y a un démutator, là. Il est là l'œuf. On va rester planqué ici. On va faire ça de Kalmos. Chaos est mort. Bravo, ça commence bien. Oh la JT. Il est là mon truc. Mais merde, ramasse-le, putain. Il y a des jours, ça veut pas. Hein. C'était ça que je voulais. Et l'autre, il me récolte les autres machins qui servent à rien. Vie de quoi? Oui, vie de tout ce que vous savez. On y va. C'était juste des vitamines. Oui, je suis déçu comme vous, les amis. On va récupérer ça, tant qu'à faire. La vie en explosif, c'est toujours plus rigolo. Est-ce qu'il nous reste une bestiole infectée dans le coin? Apparemment non, on a fait le ménage. Ah bah, on va y aller maintenant. Gaffe au démutator. Oui, gaffe au démutator toujours. On a déjà perdu un pote, donc ça commence très très mal. On va aller à la couveuse, on va s'incarner une nouvelle créature qui va venir rejoindre le crew. Si j'ai assez de ressources. Ouais. Non, il me manque les petits trucs à pétales. Ok. Qui c'est qui a de la place, les choumes? Oui, l'inventaire, ça commence à devenir un problème. Et lui, il peut plus faire de l'acide. Quel dommage. Alors, quel dommage dommageable. Vous voyez des icônes en bas à gauche, les trois? Oui. C'est des nouvelles icônes qui sont apparues pour nous permettre de... Il faut quoi, lui? Ok. Pousse-toi. Voilà, c'est réglé. Ah, il nous manque les diamants. On s'est fait piquer toutes les étincelles. Oh, tous les cristaux, merde. Bon, ça sera pas aujourd'hui. Tant pis pour nous, s'il y a un œuf dans le coin... Hurler, il faut qu'on s'en occupe. Et on va s'occuper du gros quittage là. Alors pour le gros quittage, il m'en faut un qui soit explosif. Oui, explosif. Genre lui. Coucou, coucou. Je suis l'élu. Je suis l'élu. Eh, gros machin. Trop. Dommage. Alors là, il se met devant nous, dans cette posture. Mais on peut pas l'atteindre. Enfin, pas d'ici, en tout cas. Il se barre. Bon, s'il arrive. Faut que je calcule bien mon coup, hein, pour sauter dans sa gueule. Moi, je dis là, c'est pas mal. Plus. Non, ça, c'est foiré. Les gars, remontez. C'est pas bon. Alors le jeu me propose de franchir la barrière magnétique en option. Est-ce que ce serait la solution? Vu que j'y arrive pas. Moi je dis oui. Moi je dis quoi? Moi je dis oui. Parce que regardez cette gueule d'amour là. Il va pas nous faciliter la life. Il sait pas s'il veut avancer. Il sait pas s'il veut reculer. Il a cet ingrédient que je dois récupérer. Et moi j'arrive pas à monter dedans. Oh non. Et on peut surtout pas passer par l'arrière. Regardez, il y a le démutator. Ça nous enlève nos mutations. Donc je pourrais pas me faire exploser.
Est-ce qu'on essaye son cousin qui est planqué là-bas, qu'on a entreaperçu? Moi je dis oui, hein, parce que c'est vraiment trop le bordel. Ouais, no way. Allez, on y va, les amis. Suivez-moi, I have the plan. Alors j'espère que ma horde ne s'est pas fait décimer. Parce qu'ils étaient tous là en train de faire les cons. Je les ai pas surveillés. Ah, le taxi, ça pourrait être marrant. Non, il est trop en mode rando. Il fait n'importe quoi. La family check. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu juste un mort. Ça va. Qui c'est qui a de la place dans les poches? Les gars, qui c'est de la place? Oh! Et il nous faut aussi des petites crottes roses de verre. Toi, t'es plein de place. Je vous explique, on va faire avancer le cylindre. Oui, si on passe ce mur magnétique, on le fait avancer forcément. Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas, mais il y en a un autre là, regardez. Donc on a notre chance. Faut juste pas démuter, pas passer dans son faisceau. Action! On est quoi? On est des trébums. On fait quoi? On zone. Elle est là-bas la tour, les gars. Je veux pas être défaitiste. Ça fait une bonne distance. Oui. Mais il y a des gens, ils naissent avec une seule jambe, hein, les gars. Ah, faut y penser. Oh putain. Donc nous, ça va. On est safe. Petit pas, petit pas. Roulade. Petit pas, petit pas. Oh, roulade aussi. Était-ce une bonne idée de faire avancer le cylindre? J'en sais rien. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à la tour? Normalement, oui. Normalement. À moins que le cylindre nous tape un sprint. On a tous les moyens d'arriver jusqu'à la tour. Oh, la statue! Il va se faire la statue. Il va tout se faire. Le grand cylindre n'a pas d'âme. Il détruit tout. Du sol au plafond. Ce serait un nettoyant, on l'appellerait acide chlorhydrique. Oh là là, il y a beaucoup trop de monde pour démuter ici. Alors ça va peut-être être une zone d'infiltration, allez savoir. Qui c'est qui lui crie je t'ordonne de t'arrêter? Bon, il l'a fait tout seul, ça va. As the Trebum reached this new area, they were glad to see two great towers nearby. This was a fortunate turn of events. As soon they would be able to fulfill their promise to the Trawala. But something felt wrong. There was something unnatural about these animals. Could it be that the Eternal Cylinder was aware of the Trebum's actions and was trying to stop them? Alors là, on a un gros problème. On a deux des faisceaux démutators à gauche et à droite de la créature. Elles sont au milieu, on pourrait se les faire, mais non. No way, José. Je passe là-dedans, je démute, hein, les gars. On va essayer de se mettre au milieu. Oui, c'est pas très stratégiquement safe, mais... Regardez tous ces os de prédécesseurs qui ont succédé. Alors, on est passé dans celui-là, étrangement, on n'a pas démuté. Il y a un bumper exprès pour sauter dedans. Oh, les gars, on a la soluce! Juste qu'on récupère. Oh, il y a un œuf! Faut juste qu'on récupère de quoi exploser. Tranquille. Vous inquiétez pas, c'est un péteur, il fait son intéressant. Mais qui c'est qui a les explosifs, les gars? Ah, c'est toi. Ok, on y va. Action! Vous allez voir ce qui va se passer, ça va être terrible. On se met sur la bonne option. Poussez-vous, ou je lui saute dans la gueule. Yes! On va exploser. Yes! Maintenant que je suis là-dedans, tranquillement,
zenement, paisiblement. Je vais récupérer ce que j'étais venu chercher, ça. Où ça glisse? Oui, il est tout baveux, il est tout gluant. Merde, je l'ai fait tomber dans l'eau. Vite! Oh la connerie! C'est bon. Eh ben c'était pas ce qu'on voulait comme mutation, les gars. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Il y en a un qui est en train de se noyer, ils sont tous en train de se noyer. Les mecs, quand vous aurez fini vos conneries, on y va. On va essayer de prendre l'autre. Tranquillou. Puisque quand il y a un bumper d'un côté, il y en a forcément de l'autre. J'aurais pu sauter direct là, hein, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non ! Il m'a rectomisé. Il m'a craché. Il m'a vomi. Il m'a... Oh là là, les amis, c'est une... C'est un carnage. Bon là. Yes. Un de plus. Est-ce que je vais trouver cet ingrédient? Ah non, je sens qu'il va me donner un truc sympa, mais pas ce que je veux. Hé hey. Ah, je suis pas doué pour les jumps aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est encore ça. Ok, un coup pour rien. Mon ingrédient ne se trouve sûrement pas là où j'imagine qu'il est. C'est ma réponse, c'est ma logique. C'est j'aimerais bien remonter, les gars. Là, il y a encore un bump, on sait pas pourquoi. Alors le problème avec ces tours, c'est qu'elles semblent ne pas avoir d'ascenseur fonctionnel pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai pas fini de faire ce que je devais faire dans la zone. Beaucoup de bumpers, peu de réponses. On va continuer d'explorer tranquille. Attendez-moi là, les gars, sagement. Je reviens, j'ai un truc. Donc on a attiré un slower géant qui vient de détruire un visage. Et nous, en background, on a l'idée de... Struck as mighty as ever. The fragment was exposed and ready to be taken. À récupérer ce fragment. After this, just one more. Alors je vous rappelle que les fragments qu'on récupère, ce sont les trois que vous voyez à gauche sur l'affichage. Ok. Il nous en manque plus qu'un, donc il va falloir faire descendre encore un slower géant. Oui, je les appellerai toujours comme ça. Hein. Pour qu'il nous donne le troisième item manquant et qu'on puisse se tirer de là. C'est rigolo qu'ils aient pensé à mettre des trucs pétés dans le décor des fois. What? Non, c'est un péteur aussi. Dès qu'on parle de trucs pétés, ça l'excite et forcément il yaze. Coucou! C'est qui s'est chanté? Oui, parce que je fais pas monter le bon là, les gars. C'est toi qui as la vocalise?
Je ne sais plus qui est la vocalise dans tout ce petit monde. Ce qui est un peu triste. Mu. Oups. Va falloir et récupérer un bout de truc et speeder, je pense. Non! Oh, le Sloar, il l'a buté. The mighty Trawala had been cast down. Was this the end? Was all in vain? So it seemed at first. But a small crack had been opened. And a ray of light had escaped the darkness. In a world where titans clashed and monsters battled, it was only the smallest and most unlikely of heroes who could make a difference. Et vous allez voir la différence qu'on va faire. On va y aller dans cette tête ébréchée. Et on va devoir certainement explorer l'intérieur. Pourquoi je vais là-haut? Vous le savez très bien. Regardez, c'est cette vue qu'on a. C'est pas le bonheur? Oui, il faudrait que j'avance pour éviter d'être dévoré par un lac d'acide. Ça, c'est vrai. C'est totalement vrai. Oh, c'était échec. Mais on est bon. Pourquoi? Parce qu'on est des trébums. Non, on est une famille! Va falloir vous mettre d'accord un jour, les gars. Donc on a les mutations pour s'envoler qui sont là. Les gars, prenez-en, vous en aurez besoin. Et grâce à cette mutation, on va monter, s'ériger tout là-haut. Là-haut. Dans la montagne. Il y avait un trou dans une statue. Et que croyez-vu qu'il arrive eu? Eh bien, très bemu, on la monte dessus. Attendez. On va voir la belle vue qu'on a sur ce blaze. Impressionnant, n'est-ce pas? Oui, je sais. Bon, assez joué les enfants, on a un trou à visiter, nous. Que de tension, que de suspense. Non, que de suspens. Oula, le saut de la foi. On est où, là? Il y a beaucoup trop de lumière, les amis. Des bumpers. Ouh, un collègue inanimé pour l'instant. Et puis, banal... Pas mal de choses énigmatiques à faire. Ça sent l'explosion ou c'est moi? Ouais, non, ça doit être moi, ça. Délicatement, regardez ça. Ah, putain, presque! La délicatesse n'a pas duré longtemps. Bon, on n'a plus trop chaud, on va au fond. Oui, je suis au fond de la piscine avec mon pull marine et... Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas encore, c'est une surprise. Je crois que niveau explosif, je suis full. Lui... Ah, je savais que lui... Cachez-vous les gars. Je vous avais dit de vous cacher, vous ne m'écoutez jamais. C'est exaspérant. Ça va partir en sucette dans 3, 2, 1... Maintenant, sûrement. Le problème, c'est que le temps de muter pour se transformer, il s'approche et on fait rien, quoi, les gars. Alors, le truc rigolo, c'est qu'il est mort sans que je le touche vraiment, le gars.
Et c'est pas cool. On va aller voir notre cadavre. Il est où notre cadavre? On a réellement perdu un membre définitif? Ok, bah c'est pas grave. La vie c'est de la... Vous savez ce que c'est. Brave Treble, we thank you for your courage. For so long, qui me parle? On a rien à ramasser. Had recovered the lost memories. Now, the voice said, they had to keep going. To find the Trawala and renew the ancient bond of friendship that was once the pride of this world. Je réfléchis beaucoup mieux. Aïe, j'ai trouvé. On va essayer les bumpers sur les côtés, puis on trouvera bien un moyen de sortir d'ici. Hop, c'est parti. On va y arriver, hein. Inexorablement. Et voilà. Ça va bien se passer, les amis. Oh, ils nous avaient même mis des graines déjà ouvertes, ok, on serait trop couillons. Pour pas qu'on soit coincé. Oui, vous avez vu le regard qu'il a celui-là? Ouais, c'est étrange. On va rester dans le rayon. C'est pas évident à viser ce rayon d'air. La sortie de la grotte était pas géniale du tout, les amis, je vous le dis. On aurait préféré une porte. Alors. Est-ce que je vais activer cette tour là-bas qui apparemment attend toujours quelqu'un? C'est une proba. Il y a aussi ça là-bas. Ouais, ça nous appelle. De toute façon, le mur doit être rouge derrière. Si je ne me trompe pas. Non, on ne ressaute pas à l'intérieur, c'est pas la peine. Bleu. Ok, ça veut dire qu'on a le droit d'avancer. Ah, je suis dans la bouche, il va me mâchouiller! Je serais pour quand même qu'on aille voir un dernier coup ce qui se trame là-bas. Ce serait cool. On va essayer de se pousser une petite chansonnette, hein, si ça remarche. Non, ça ne marche plus. On est revenu pourquoi? Pour rien, parce qu'on est des belus. Par contre, il y a toujours un scintillement là-bas. C'est assez étrange. On va avancer, il n'y a plus que ça à faire. Le grand cylindre va reprendre sa route inexorablement. Et nous allons tracer tel des... Très bonne. Non, une famille. Décidément. Alors je vérifie s'il n'y a pas deux, trois petites choses qu'on pourrait prendre pour la route. Hein, histoire de se faire un casse-croûte sympa. Un escargot disco, est-ce que ça vous branche? Non. Ouais, moi aussi, ça me branche pas terrible, mais pourtant j'aimerais bien ce revêtement tellement Wiz. Oui, l'escargot a le revêtement le plus Wiz de tout le jeu. Il a pas trop l'air d'avoir l'intention de se barrer de sa coquille. Je veux pas être négatif, mais voilà. Et on est un peu suivi, ouais, on va tracer alors. Mmh.
J'espère qu'on n'aura pas de précipice ou de grosses blagues en face de cette tour. Bien esquivé. Et on va le savoir très très tôt. Ça va. Tout est bien, tout est calme, tout est relativement simple. Un peu trop d'ailleurs. Il est où le gros machin? Oh, il a perpète, il nous aura jamais. Allez les gars, on fait les cons un peu. Alors, on va prendre de la bouffe. On peut le temps. Étrangement, on n'est plus que trois. Ouais, il me semblait qu'on était quand même vachement plus nombreux. Somewhere nearby, there was another structure like the one they had used to summon the Trawala. Bon, on se fout en ta base, les filles. Et on va où? On va là-bas. So the Trebum knew that the end was near. Des ressources, des machins, des mutations. On s'en fout. On trace. Maintenant, on est là pour avancer. Fini la rigolade. El Rigonalda es finito. Bande de blaireaux. Alors le clan s'est fait pas mal décimer. On était 7 et on se retrouve à 3 comme des nouilles. Ça va pas être simple. What is it? C'est la grande question, on répond par oui parce que on est curieux. Le mystère du grand cylindre et Monsieur K avec sa famille. Mais c'est des Trebum. Oh, cette famille, je te dis. On va tout comprendre sur le grand cylindre aujourd'hui, je vous le dis. Alors, cet enfoiré de mathématicien est toujours dans les parages. Est-ce qu'on va pouvoir s'en débarrasser définitivement? Ah, ce serait bien. Je vais le dire mieux que ça, d'ailleurs. Ah, ce serait vraiment bien. Le problème, c'est que nous... je vais aller récupérer de la thune, là. Ça me permettra de ranimer des potes s'il y a un problème. Oui, les cristaux, c'est le moyen de ranimer les collègues. Et plus j'en ai sur moi, mieux je me porte. Vas-y, ramasse, petit, ramasse. Bouge.
Putain, mais merde! Ah, il y a des moments où les commandes ça veut pas. Puis quand ça veut pas, ça veut pas. Survive. Protect the memories. Just stay alive. The Trawalda will help. Winchcaf. Va-t-il en prendre une autre ou tirer le rayon avant? Vous le saurez tout de suite après cet insert cube. Comment ça, monsieur K, tu joues l'attention? Ouais, carrément. C'est bon. Ça lâche café, les gars, ça lâche café. Ishkaf où? Pas sur nous, c'est ce qui compte. Dans sa gueule. Oula. Ah bah c'est con, on avait besoin de ces plateformes là. Il a pété la dernière, donc maintenant il va falloir gérer total freestyle. On va passer derrière lui, on est des malins. Hop là, ah ça marche pas. Oh, j'ai plus qu'un vivant. On y va. Non, pas le truc jaune, pas le truc jaune. Ça sert à quoi ça? À rien. Okay. Oui bah on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a madame. Je suis tout seul. Ouais, je suis tout seul. C'est la miarde. Non, on est deux. Mais c'est la miarde quand même. Et du coup, que faire? Ouais, j'en sais foutre rien, moi. Ça, c'est l'explosion où je ne m'y connais pas. Bon les gars, enfin le gars, vu qu'on est plus que deux. Est-ce qu'on a des courses à faire ici? Ce serait bien, récupérer du matos. Non, il n'y a plus rien, c'est la mort. On a été décimé intégralement. Ouais, je crois bien. Des bonus, il y en a plus. Du futur. Il y en a plus. Du canal. Allez, il y en a moins. je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ça te dit d'y aller? Non, pas vraiment, mais bon. En plus, j'ai démuté. Ah ouais, bah c'est toi qui vas en premier. Questions, si peu de réponses. Le cylindre éternel nous a fait souffrir, nous a fait rire, nous a fait pleurer, nous a fait suer, nous a fait penser, nous a fait rapetissir, nous a fait grandir. Et au loin, je vois la forme de... C'est Néo? Non, c'est pas Néo. Néo, c'est le grand architecte. C'est pas le grand cylindre. Ni le mathématicien. Thank you.
thank you, my young friends. You have accomplished what thousands of civilizations before you failed to. You've shown that the cylinder is imperfect. It may not have lost the war, but it certainly lost a battle. And that's never happened before. There's so much more I wish I could tell you. But there's not enough of me left, and I have one final goal. So forgive me for inserting myself into your memories, and for having to leave them again so soon. La fin de tout, c'est maintenant. Quelle aventure, les amis. Alors, je trouve assez curieux que les développeurs n'aient pas poussé de vis jusqu'à faire boucler le jeu. Parce qu'il est totalement fait pour ça. Oui, on a raté des choses. Il y a certainement même des missions annexes qu'on n'a pas faites. Il y a des mutations que j'ai pas essayées. Il y en a d'autres que j'ai pas acquises en dur, en définitif. Bref. Une fois qu'on termine le jeu, on n'a qu'une envie. Un café. Et recommencer aussi. En tout cas, The Eternal Cylinder, je persiste dans l'avis que j'avais émis au début du jeu. C'est un grand courant d'air frais dans les sorties jeux vidéo de 2021. C'est génial que ce genre d'ovni ait débarqué sur la scène et fait... vous avez plein de gameplay monochrome, vous avez plein de jeux stéréotypés avec tout le temps les mêmes personnages avec des cameltos et des tailles idéales. Les gars, calmez-vous. Nous, on a fait des créatures qui ressemblent à rien. Et notre jeu, il déboîte. Et Good Shepherd, vous avez réussi totalement. Mais alors, vous avez réussi au-delà du total. Parce que moi-même, j'avais des doutes la première fois que j'ai lancé le jeu. Qui n'étaient pas les plus forts, ni les plus rapides, et qui n'avaient pas de teeth sharp, escaped the eternal cylinder. They did not become one, but stubbornly stayed many. And they learned to be loyal not only to their own kind, but to others. Their great victory over the inevitable was the victory of generations, of the elders and the Trawala and my own people, whose name I cannot remember.
But even as what is left of me fades away, and though one day the cylinder may resume its destruction, I know that I was part of this family, if only for a little while. And that gives me hope. Et donc ce mélange de gameplay multiple a parfaitement fonctionné. Bref, ruez-vous sur ce titre. Prévenez vos amis, dites-leur, j'ai un jeu terrible, mais tu vas certainement pas comprendre. Et ils comprendront pas, mais il y en a une bonne partie qui vont vouloir comme vous foncer dedans. Et découvrir ce qui se trame derrière les mystères de l'éternel cylindre. Découvrir comment faire évoluer la vie. Découvrir comment passer des énigmes et des casse-têtes. Et ça sera un grand plaisir pour tout le monde. Durée totale du jeu, j'ai pas regardé encore, mais je pense que j'ai dépassé la douzaine d'heures facilement. Rejouabilité, je pense que c'est totalement rejouable, même si on se spoile les énigmes principales. Il y a pas mal de choses à expérimenter diverses, et je suis persuadé que je suis passé à côté de bonus, parce que le jeu se passe aussi bien sur Terre que dans les grottes, que souvent dans des endroits annexes. Il y a vraiment pas mal de choses que j'imagine avoir ratées. En tout cas, Monsieur K est heureux. Il a vaincu le grand cylindre. Il a désormais une famille de Trebum et d'autres créatures. Et il vous abandonne sur ce magnifique générique. Pour vous retrouver bientôt avec un nouveau jeu vidéo.